Foot est fait, bonjour. Justin, le préfet a félicité vivement Joël Beauchamp pour sa présidence de la CSBT Grand Sud Caraïbe. C'est un beau courrier, mais je crois que le préfet, il a de l'humour de le féliciter, puisque juste après, il lui rappelle dans différents chapitres de la lettre que les agissements ou supposés tels du 7 Michaud Chevry pouvaient être poursuivis devant les tribunaux. Quand sa qualité de vice-président depuis longtemps, puis désormais de président, il ne pouvait les ignorer, il ne les ignore pas plus, et qu'il pourrait donc lui aussi être poursuivi s'il continuait dans cette voie. Rappelons qu'il y a 75 millions d'euros dans la nature. Stéphane Martin, ce qu'on a bien connu en Guadeloupe, ancien recteur, voit son vice-rectorat de Mayotte érigé en rectorat de plein exercice. On se souvient de ce recteur carré comme un Allemand, auquel il a succédé le rond mais dur Camille Galab, qui est allé pantoufler à la région. Mostafa Fouras, le recteur actuel, est habile. Les syndicats qui ont eu à négocier plusieurs fois avec lui ces dernières semaines ont pu vérifier que l'homme du désert est pugnace et qu'il est tenace. Jacques, le maire de Pointe-à-Pitre, docteur en médecine, plutôt que la gynécologie, aurait dû choisir la dentisterie. Mieux que personne, il élimine les vieilles maisons en ruine du centre-ville, fait jouer le droit de préemption, soigne les dents creuses, c'est très bien. C'est même un modèle à suivre. Sauf quand les dents creuses crament en pleine nuit, victime d'un pyromane qu'on n'a toujours pas retrouvé, qui commet ses méfaits dans une sorte d'impunité. C'est assez troublant. Jocelyn Sapetille, maire de Lamantin, peut remercier Jocelyn Sapetille, président de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre. Grâce à lui, il a pu refaire des routes secondaires sur son secteur. C'est bien joué. Mais il ne faut pas s'en plaindre. Et les maires des communes voisines ne s'en plaindront pas, puisque le président n'a pas grugé ses voisins. Les autres communes du secteur bénéficient du même service. Ce Jocelyn est très malin, assez efficace aussi. Joël, il a de la chance, Joël Beaujean, maire de Capesterre-Belleau, premier vice-président de la CSBT, la communauté d'agglomération du Sud Caraïbe. Lucette démissionnaire, il récupère le bébé avec tout ce que ça implique. Le problème de l'eau qui ne coule pas au robinet, sauf à Routier, les captages de Belleau au cadeau, contaminés à la chlordécone, les problèmes de trésorerie, les dettes, les impayés, une kyrielle de salariés qui n'ont pas de matériel pour travailler. Et là, il faudra vraiment cesser de dire que c'est la faute à Lucette.